La ville d'Aire est irriguée par la Lys, elle bat au rythme de la Lys. La Lys, qui a une grande histoire avec les habitants d'Aire, c'est d'abord au début de la construction de la ville, ça servait d'abord à les alimenter en eau. La ville d'Aire a vu sa croissance aussi grâce à cette Lys canalisée à partir d'Aire sur la Lys, qui nous permettait d'échanger avec la Belgique et en particulier avec Gand. Alors les touristes et les excursionnistes viennent chercher surtout la beauté de nos monuments historiques à travers le bailliage où on est actuellement, datant de 1602, l'hôtel de ville, le beffroi, la collégiale, la chapelle des Jésuites Saint-Jacques, la chapelle Baudel et bien sûr tous les autres monuments classés d'Aire-sur-Lys qui sont remarquables. Pour la prochaine saison, bien sûr, nous continuerons à faire le paddle. On a fait quelques essais assez réussis. On va essayer de remettre en place aussi quelques canoës-kayaks et des pédalos en intramuros dans la traversée par la Lys, d'Aire sur la Lys. Si j'avais un seul vœu pour 2021, c'est que l'année ne soit pas identique ou égale à 2020, mais qu'elle soit nettement meilleure et qu'on retrouve une vie normale, tant sur le plan social que sanitaire et économique.